Hell yeah. Know what I'm saying? Bon, Nicolas Alaka, bonjour. Votre impression sur le match d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous devriez être jugé de la sorte parce que vous avez été grossier avec votre entraîneur? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alaka? C'est injuste. Ouais, non, mais mis à part le fait que ce soit injuste, monsieur Alaka, dites-moi concrètement ce que vous pensez de la performance de l'équipe de France devant aujourd'hui donc l'Afrique du Sud, qui a excellé dans sa démarche, et que donc, évidemment, 2-1, hein, bien évidemment, vous avez un but sur une Coupe du Monde pour l'équipe qui a été championne du monde, ça a fait mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas, pourquoi tu bouges comme ça? T'as des morpions, t'as des choses à reprocher? Mais oui, mais écoute, Nicolas, avec quoi tu roules? Qu'est-ce que t'as comme voiture? Précise-moi un petit peu, qu'on sache un petit peu qui tu es. Donc, tu viens de Trappes, ça on le sait, donc... J'ai pas la prime. D'accord. J'ai pas la prime de la victoire, on l'a pas gagné, j'ai pas la prime. T'as pas la prime de quoi? Tu pourras pas t'acheter une deuxième Ferrari, ou une troisième, peut-être une quatrième, parce que bon... D'accord. Et pour le salaire que tu vas percevoir pour la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu comptes en faire? Tu comptes en faire profiter quand même les clubs amateurs qui en ont réellement besoin? Qu'est-ce que t'en penses? Ma carrière, c'est pour moi, c'est pour moi. Ta carrière est la chasse, mais tu peux te recycler dans la télé-réalité. Ah non, je travaillerai plus, moi. T'as qu'à faire la chance, c'est bon, bah d'accord, ok, t'as un gros neuf, Nicolas, salut. T'es payé pour faire quoi, disons. Tu parles... Non, parle bien, moi je te dis, tu parles mal, hein, ta bouche, tes euros, ton oseille. Tu nous fais passer pour des bouffons. Je vais te montrer le châtiment ultime, Nicolas. Fais pas ta tête comme ça, là, cousin, je t'ai dit. Hein. Fais pas ta tête, hein. Je vais te montrer le châtiment ultime. Moi, le traîner de Volkswagen, je vais te faire, moi. Tu vas voir. Je vais te faire le traîner de Volkswagen. Tribunal de grande instance footballistique, madame le juge, à vous. Mon petit, avec qui veux-tu vivre? Ta maman? Non. Pourquoi? Parce qu'elle me bat. Veux-tu vivre avec ton papa? Non. Pourquoi? Parce qu'il me bat. Avec qui veux-tu vivre alors? Avec l'équipe de France. Et pourquoi? Parce qu'il bat personne. Nicolas, alors... T'as vu, je t'avais promis un truc. Je t'avais promis le traîner de Volkswagen. Je t'ai dit, traîner de Volkswagen, ça donne ça. Toi, c'est une voiture profilée, tu vois, avec un design inégalé, t'as vu. C'est pas une Ferrari, hein, t'as vu, Nicolas. Parce que moi, je touche pas à des millions, Nicolas. Mais je t'avais promis le traîner de Volkswagen. Alors, je vais te traîner, ok? Je vais te traîner, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Mon petit.